Bonjour, messieurs, dames. Alors, selon les médias américains, la France est à feu et à sang, il y a des manifestants partout, et patati et patata, c'est des conneries. Il y a des manifestations sporadiques à des ronds-points, c'est-à-dire que les gilets jaunes s'y sont réunis pour manifester, ils s'assoient, ils entonnent des chants avec leurs gilets jaunes. Ensuite, ils se lèvent et ils laissent passer les voitures 30 à 35 minutes plus tard. Et les camions. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, ils manifestent dans les villes et ils vont marcher sur les routes. Je sais, c'est pas très intelligent, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà à peu près la situation actuelle. Pour Paris, la situation est complètement différente. Tout le monde a vu la statue de Marianne cassée. C'est pas l'œuvre de Gilets jaunes, c'est l'œuvre de Black Box et de rats. Qui voulait profiter de la manifestation pour cogner et casser du CRS tout en dépouillant les magasins autour. Leur but, c'était Vuitton, les pharmacies, brûler des voitures, brûler du mobilier urbain et rendre un CRS à moitié aveugle. But réussi, n'est-ce pas? Ils viennent de toute l'Europe. Ils viennent de toute l'Europe. Ils se sont réunis exprès pour l'occasion. Mais ça ne touche que Paris pour l'instant. C'est normal. L'image et la symbolique. Vous savez, on a un État qui a beaucoup fait contre le terrorisme, mais qui n'a rien fait contre les nouveaux gangs de rue. Ils l'ont pas vu venir. Et ça se paye. Et ça se paye très cher. Dans le futur. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Donc, ne vous affolez pas. C'est pas une situation insurrectionnelle et il n'y a qu'à Paris qu'on voit ça. Par contre, pour les Parisiens, je suis vraiment désolé. Mais des manifestants ont tenté d'aider au mieux en éteignant les incendies, en rentrant le mobilier urbain. Des cafetiers, par exemple, en aidant comme ils pouvaient, quand ils ont vu ce qui se passait. Mais ça servait à rien. Moi, personnellement, je n'appelle pas à manifester sur Paris, à cause de la situation, comment dire, de merde que nous vivons. Par contre, sur des villes comme Rouen, sur des villes comme Dernétal, là, oui, j'invite à la manifestation, étant donné que c'est des manifestations en général bon enfant qui se passent bien avec des personnes en général père et mère de famille assez intelligentes pour se rendre compte de la situation. Tandis que sur Paris, on avait de tout. Mais j'ai pas trop bien compris ce qui s'était passé sur Paris. Même moi, je l'ai vu venir. Pourtant, je suis handicapé, monsieur, dame. Mais non, ne vous inquiétez pas. Comment dire, la France n'est pas à feu et à sang. Ça m'a amusé. Tout va à peu près bien. Les gens continuent de manifester leur mécontentement suite à la hausse du prix de l'essence, du prix du tabac et de certaines taxes. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous savez, normalement, un homme politique cherche à vouloir être réélu. Nous avons les seuls hommes politiques qui cherchent à ce qu'on leur cogne dessus. Je ne sais pas quel est leur but. Si leur but c'est de faire voter Front National ou pas parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler ou juguler la situation que eux-mêmes ont déclenchée par le passé. C'est-à-dire la crise de la dette et des subprimes et tout le merdier. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner dans le futur. Mais ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, tout va bien à Rouen. Et tout va bien dans les villes françaises. Sauf à Paris, où nous avons certains petits problèmes avec des casseurs de toutes sortes. Voilà, c'était juste pour faire le point. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, au revoir, messieurs, dames, et n'oubliez pas. Méfiez-vous toujours des contrefaçons.
toute façon, si Rouen était à feu et à sang, je serais le premier à les filmer, vous inquiétez pas.